Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Klippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, PlayStation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'asso NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'asso comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors merci à vous par avance et bonne vidéo. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Armed. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas vrai. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je l'ai sauvé. Allez, Ellie. Bloquez les sorties! On lâche pas!
C'est bon, je m'en occupe. Vas-y. T'es sûr? Ouais. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. À plus tard, Tammy. Note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Parking du tribunal et le dôme. Bon, comment on fait pour y aller? On explore un peu les environs, on verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici? J'en suis sûre. Bon, où est-ce qu'on est? Je crois... qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Il s'est passé quoi, ici? Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville. Les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme mesure. D'habitude, c'est efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles? Les deux. Merde. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais, je vois ça. Ok. Ça me saoule, j'arrête de deviner. Ah, enfin. Mais, bon, est-ce que c'est... une énorme collection de BD? Non. Attends. Une collection de DVD? Oui. Laquelle? Juste, oui. C'est des laserdiscs? J'en ai entendu parler. Oh, j'y crois pas, Joël. On y est. C'est vraiment un dinosaure! Tu l'as dit. Joël! Surprise! Je le crois pas. Putain, c'est un dinosaure! Le roi des lézards tyrans. Il est énorme. Wow! Non, attends une minute. Tu vas dans l'espace. Il te faut un casque. C'est vrai. Je suis bête. Trop cool. Ça pue pas trop là-dedans? Ça sent l'espace et la crasse. Après toi. Attention à la tête. C'est dingue. Oh. Ok. Regarde un peu tous ces boutons. Oh, trop la classe. Putain. Non mais t'imagines le truc? Oh.
Bon anniversaire, Ellie. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Prends-la. Ferme les yeux. Tu vas voir, ça vaut le coup. Ok. T'as aimé ton cadeau? J'ai adoré, putain! Eh bien, tant mieux. Voilà la marina. Tu te sens bien? Les Wolf utilisent cet endroit? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Oh. C'est trop loin. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. Fais gaffe. Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte qui sont un peu plus. Elles sont sûres? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lève finira par changer d'avis? Non. Il devrait être fini. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais. Mais il est trop indulgent avec elle. En même temps, c'est sa mère. Peut-être, mais ça, elle s'en contrefiche. C'est par là. Évite au max de mouiller ton bras. C'est trop tard. Allez, c'est bon, vas-y.
On peut passer par là. Viens. Pas de contact ici non plus. C'est Wes ! Oh non, quoi ? Quoi ? Putain, il est mort ! Faut pas qu'elle s'échappe ! Tu bois quoi ? Du café. T'en as trouvé où ? Les gens qui sont passés la semaine dernière. Oh. J'ai un peu honte de ce que j'ai dû donner en échange, mais... c'est pas mauvais. Je maîtrisais avec cette. Ouais, je sais. Et il faut que t'arrêtes de saouler Jessie avec mes patrouilles. Ok. Dina. Vous êtes ensemble ou...
Non, c'était juste un baiser. Ça veut rien dire, elle voulait juste... Je sais pas ce qu'elle voulait. Mais elle te plaît. Écoute, je sais pas ce que cette fille attend de toi, mais... Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle aurait de la chance de t'avoir. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Je suis pas en train d'essayer... J'aurais dû mourir dans cet hôpital. Ma vie aurait enfin eu un sens. Mais t'as tout foutu en l'air. Si on me donnait une chance de revenir en arrière à ce moment précis, je le referais sans hésitation. N'empêche, je crois que je pourrais jamais te le pardonner. Mais j'aimerais bien